Bismillah. Pitmul ici vivait avec son frère dans une vallée, au-delà du grand désert. Un jour, qu'ils étaient assis sur le toit de leur maison, ils virent passer la fille du tonnerre, qui portait sur sa tête une corbeille. « Je la suivrai, » dit Pitmul ici, qui était l'aîné. Puis il tira une de ses flèches qui se planta dans la corbeille. Maintenant, il lui fallait coûte que coûte retirer cette flèche, sinon il mourrait, car tous ceux qui y avaient failli étaient morts. Et beaucoup avaient lancé la flèche, selon la coutume de ce temps, car la fille était jolie et on voulait l'épouser. La fille du tonnerre arriva bientôt à une allée de roses épineuses. Elle passa au travers sans encombre, et les branches se refermèrent sur elle. Pitmul ici prit dans son sac une pierre tranchante et la posa sur le sol. « Fais-moi franchir le buisson, » dit-il. Aussitôt la pierre coupa les branches, et Pitmul ici passa. Mais quand le tonnerre tonna, ils arrivèrent ensuite à un lac couvert de glace. La fille du tonnerre passa vite, sans glisser. Pitmul ici prit dans son sac une queue d'opossum, la posa sur ses pieds et dit « Fais-moi traverser le lac. » Aussitôt ses mocassins s'entourèrent de fourrure et il se lança sur la glace. Mais quand le tonnerre gronda. Maintenant ils arrivaient à une large rivière dont les eaux étaient basses au bord et profondes au milieu. La jeune fille la passa aisément et sans même se mouiller. Pitmul ici prit dans son sac une plume de canard, la planta dans ses cheveux et dit « Fais-moi passer la rivière. » La plume cria « Tat, 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 tat. » Aussitôt, trois canards s'approchèrent en volant et soulevant Pitmul ici, l'emportèrent de l'autre côté. Mais quand le tonnerre tonna. Enfin, ils arrivèrent à la vallée du vieil âge, qui est si longue que les gens meurent de vieillesse avant de l'avoir traversée. La jeune fille passa rapidement, son pas léger ne se ralentit pas. Pitmul ici la vit s'éloigner, ses pieds ne pouvaient pas la suivre, ses jambes s'alourdirent, ses cheveux devinrent gris. Il se souvint tout à coup de son sac, il prit une peau de serpent qu'il enroula autour de son poignet. « Fais-moi traverser la vallée, » balbutia-t-il. La peau devint un petit serpent qui le piqua, aussitôt il redevint jeune et courut d'un pied alerte. Puis son pas s'alourdit encore, ses cheveux blanchirent, le petit serpent le piqua de nouveau et ainsi le mena au bout de la vallée. La jeune fille était juste devant lui, elle tira sa flèche hors de la corbeille, elle se retourna et lui sourit. Mais qu'entend le tonnerre tonna, mais il fallut bien qu'il donne à sa fille en mariage à l'Indien. Ce fut une grande fête. Le lendemain, le tonnerre envoya Pitmul ici dans la montagne, chasser le mouflon. Pitmul ici ne vit pas de mouflon, mais un gros ours grizzly qu'il tira et manqua. L'ours se retourna et courut sur lui. Pitmul ici se sauva à toutes jambes, se sauva tout le jour. Vers le soir, comme il arrivait près d'une haute montagne et qu'il se sentait à bout de force, il sortit de son sac une petite feuille et dit « Tire-moi de ce danger !» Aussitôt un grand arbre baissa la tête jusqu'au sol. Pitmul ici le saisit. L'arbre se redressa, emportant l'Indien dans les airs. Pitmul ici était sauvé, mais il ne pouvait s'en aller, car l'ours était au pied de l'arbre et menait bonne garde. L'Indien tira sur lui toutes ses flèches, sauf une, et l'ours était toujours là. Alors, Pitmul ici prit dans son sac une épine de yucca et lui dit « Aide-moi à tuer cet ours. » Aussitôt, une fourmi rouge sortit du sol et piqua l'ours à la patte gauche de derrière. L'ours leva cette patte, Pitmul ici logea sa dernière flèche et l'ours mourut. Car ce n'était qu'en le tirant à cet endroit qu'on pouvait le tuer, mais il fallait le savoir. Le lendemain, le tonnerre envoya Pitmul ici à la rivière, harponner du poisson. Il lança son harpon sur un poisson qui passait, et ce poisson était si gros qu'il emmena la corde et que celle-ci faillit emmener le chasseur, car elle s'était enroulée autour de ses jambes. Pitmul ici tint bon jusqu'au soir, cramponné aux herbes de la rive. Mais voyant ses forces décliner, il prit dans son sac une aile de libellule et cria « Coupe la corde! Coupe la corde !» Aussitôt, une libellule grande, comme un dragon, se jeta sur la corde et la coupa en deux. Le lendemain, Pitmul ici dit « Il y a trop de dangers pour moi dans ce pays. Entrons chez nous. » Il emmena sa femme et retourna dans son village. Et il n'y eut plus rien par la suite qui vaille la peine d'être conté.